Hello et bienvenue dans la première méditation du programme Yoga d'été. Aujourd'hui, pour cette première méditation, on va dire cette première introduction, je vais vous proposer une pratique en position assise. Donc, choisissez une posture qui vous permettra de rester alerte, c'est-à-dire votre colonne vertébrale bien droite, mais pas raide, mais surtout que vous vous sentiez détendu. Donc prenez le temps de vous installer, vous pouvez être assis sur une chaise, assis en tailleur, utiliser des briques. Si vous avez un petit coussin de méditation type Zafou, vous pouvez aussi l'utiliser. Et quand ce sera bon pour vous, on va pouvoir commencer tranquillement. Vous allez vous concentrer sur ma voix, je vais vous guider pour cette première méditation. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Vous pouvez laisser reposer vos mains d'une façon qui vous semble la plus naturelle possible, sans produire d'effort. Ici, prenez un petit temps de pause pour apaiser et relâcher les zones de tension physique que vous pouvez ressentir dans votre corps. Comme on se perd facilement dans nos pensées, on va débuter par faire attention à notre respiration. La respiration sera comme une encre qu'on pose et qui nous permettra d'apaiser l'esprit. On pourra ainsi rester en éveil face au flux de la vie impermanent qui va et qui vient en nous. Nous allons donc respirer très profondément. Puis on laissera notre respiration se déployer naturellement. Ici, ne cherchez pas à contrôler la respiration, ni à vous y accrocher ou à vous fixer. Simplement laisser le souffle aller et venir. La seule différence avec la vie quotidienne, c'est que là, vous faites attention à ce souffle. Vous constatez alors peut-être qu'il est naturel pour notre esprit de partir un petit peu à la dérive, de nous laisser happer par nos pensées. Prenons conscience que ce ne sont pas nos ennemis. Inutile de chercher à se débarrasser à tout prix de ces pensées.
Ici, nous allons essayer de développer notre capacité à voir les pensées survenir sans nous perdre dans l'intrigue qu'elles racontent. Quand nous prenons conscience que nous pensons, on peut se servir d'un petit rappel simple et amical. Par exemple, penser, penser. Et ensuite, sans aucun jugement, on peut retourner lentement à la sensation de la respiration. Observez les sensations de l'inspire, de l'expire. Et ainsi de suite. Notre respiration est un port d'attache, un espace de pleine présence. Ici, peut-être, vous pouvez remarquer d'autres expériences. Peut-être le bruit des voitures qui passent, des sensations de chaleur, de fraîcheur, peut-être de faim, peut-être le bruit des voisins. Ces expériences-là restent à l'arrière-plan. Elles ne vous attirent pas à elles. Et vous revenez sans cesse à la pleine conscience de la respiration. Petit à petit ici, avant de terminer la méditation pour revenir le plus simplement possible à votre vie. On va y aller en douceur, prenez le temps de respirer peut-être un peu plus profondément en contrôlant davantage. Une ou deux fois. Puis vous viendrez porter votre attention sur les bruits autour de vous. Réintégrer votre environnement.
Peut-être vous pourrez ramener un peu de mouvement dans les doigts. De la manière la plus délicate possible. Puis vous pourrez rouvrir les yeux. Peut-être que vous sentirez que vous pouvez vous étirer, décroiser vos jambes, bouger un peu les membres. Et simplement ici, on va pouvoir terminer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe le moment où vous écoutez cette méditation. Et on se retrouve demain, de nouveau sur le tapis. En attendant, prenez soin de vous.